Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Mbote bana mboka bana Congo bana RDC biso wana bana na bino bande ko na bino ba papa na bino ba koko na bino bien que nan to komi ba koko te mais mokili yango ezala rende compliqué. Alors na émission na biso une heure avec Juju ka ce soir en direct à congosynthèse.com tout les gars.net ou les Congo Voice nos amis de l'extérieur comme toujours sauf France Canada au port du Canada et Ida Timo Provision Zaire TV UK, na Congo Millennium Irlande. Bien sûr, avec la déconnexion, on va relayer à Kabiso, na RDC et puis de par le monde. Moté Mingi, na Poko Alelo, vraiment ma solo à Boka, Ezoko, Van Isadissou Soubana, Kimboka Kimiate. Lelo, na une heure avec JGK des retours, bien sûr, parce que ça fait un bon bout de temps de Tchakin, dans une heure, na moi, Pembe, n'y pas d'avoir raison, bon, on va vacances, Ezalaki, ma Kabonso, Ezalaki, mais Ezongi en force. Tokoyamba na poko ya lelo baye baye kolobela mwa mokepe politique na biso na titre na biso ya lelo toti le G7 avec le dialogue en RDC. Tokoyamba G7 na biso elolini de toyambi baye bazali ya wana biso na loboko na nga mobali tozali na ndeko boyebi bomona ye déjà depuis kala monsieur Gustave Guillaume Oké. Oyo a représenté Bisso, Kalate, Yenani. Bonsoir, M. Guiller. Bonsoir. Tu s'appelles Mingi Goyambao, les sous Napoko Alelo, Yo Tolobi, le G7, avec le dialogue en RDC. Je ne sais plus vraiment nous avons encore de plus. Non, Michel Nabisso a préféré en fait. Et aujourd'hui, toujours le Bela Mingi G7, toujours le Bela G7 également, on a même parapluie à rassemblement des forces politiques et sociales acquises pour le changement, dont je suis le président politique ici dans le UK. Et tout le Bela Mingi sur ces dialogues, également sur le rassemblement, sur le plan d'action haute aux alliés qui tient en marche, ma stratégie, pour nous comment décrisper la crise de l'Abisson Namboka. Maintenant. Na mopanzi na ye na loboko na ye mobali tozali na moko toyambi pona mbala liboso espoir ya mboka baloba kezali jeunesse azali moko ya ba jeune ya mboka na biso awa nde toyambi nde kona biso mwana na biso leki na biso tati yo kampela. Bonsoir. Bonsoir papa. Tozali esengo mingi ya koyamba yo mbala liboso komi na plateau na biso soki oza na mbote ya kopesana na bana ya mboka ndenge tomesanaka okoloba bone na pesi mbote mingi na opportunité au bopé Sibiso et puis na pesi mbote lisusu mingi na opportunité monsieur Gustave Apesi kozala na bino na poko ya lelo et puis merci mingi na bande kunyoso pe ba kozwa tan na bango ya kolanda biso na Congo Synthèse. Merci vraiment mingi to yambio na titre nini na catégorie nini so voyo apato ba ko guide emission na jo ngai nazali président ya Bajen et à rassemblement UK. D'accord. Merci, mais tu as raison. Mais tu as raison, on n'est pas un Ndeko Gustave. Ndeko Gustave, tu as dit, je sais, tes rassemblements, force acquise au changement. Il y a un bateau qui est là. Tu as dit, il y a un salamaki. D'abord, il y a un rassemblement des forces acquises au changement. Ah, on a beaucoup de Mathieu, président politique. Et il y a un peu de temps. Pomba na mboka mingi bazala na mwa ikakatano na mito. Ndenge toyebi biso nyonso makambo ezoleka na mboka pour tosala frein commun na moto oyo azali kobebisa baplan nyonso ya peuple il fallait tosangana. Tosangana tokoma bamoko comme on dit l'union fait la force pour to foncer mire oyo ezokanga biso vers la démocratisation, vers l'alternance. C'est ainsi que bah,
politiciens à Congo, basoak initiative na Genval, kokutana ko sala frais commun. De sortie de Genval, basala ko babengi rassemblement des forces politiques et sociales acquises pour le changement. Ce rassemblement est la plus grande plateforme politique où ils ont regroupé les partis politiques qui sont vraiment acquis pour le changement. Ou à l'ingé changement à Zakona. Et le G7, comme étant parti Oyo et Dali, Kubimisamutu, Makas, Namakambouya changement. Et moi, en tant que le président politique, il y a G7, Awana UK, Penakachi Europe, et conseiller, il y a le représentant G7 à Kinshasa, nous avons été appelés à cause de part dans l'initiative Oyo, mon très cher ami et frère, que je salue bien, Théo Ngombo, le président de l'IDPS, à Zouaki, pour nous faire le rassemblement de la même GOSLMAKIN et GEVAL à Nayuke. L'idée est tout simple, partir de l'Union, tous se regrouper, tous s'engager, tous faire la stratégie ensemble pour tous la une seule opposition. Qu'aucun ordre dispersé, ça n'arrange personne. Tout le monde pour la première fois, et si je suis malamouté parce que nos amis au bas en opposition que j'appelle radical disons la résistance bah yeba qui vraiment bien été éloigné avec Salama et d'après d'entrée Bamsous bah yeba qui était pourquoi ils n'étaient pas invités bah qui correspondent à la force c'est là qui peut être bien été et Katanaki mais tout ça qui le braté tout ça qui convoqué encore 2 semaines après 3 semaines exactement et Salama qui très bien nous avons une commission politique dont je représente en tant que le président ici en Angleterre. Nous avons une commission des jeunes, où il y a M. Yo Kazako représenté. Nous avons une commission avec Maman Solange. Nous avons une commission avec Société Civile, avec la presse, bien que mon grand frère ici à Bouya Kikoya. Donc c'est pour but Nangwe Zali, tout ça l'infra commun. Et l'idéal principal est Zali de déposer un mémo, la première ministre, Mme Theresa May, vers le 20. Na rassemblement mon nenu e ko salam a na UK bisonyon soto bengani ko sangana le 20 septembre donc ne tina parlement tina Downing Street et siga to couper sa memo par madame Theresa May première ministre et ensuite to kende ko siège devant l'ambassade na biso pona réclamer un dialogue véritable avec les vrais acteurs politiques mboka. D'accord. Tozala ki wana na deuxième occasion to koma ki wana parce qu'il y a les besoins de ngolobe le kayi mala moté moi to za les alaide c'est pourquoi que to boye ko ya mi balé to koma ki justement il y a les sous mala moté parce que enfin mala mona kati mais mala moté na libana ta to ko di moi ko koma pe na kati les alaide donc voilà inconvénient au mission na presse to joaki ya ngona tango lobi que les gars qui bien bosali ba banini ba résolution na bino et tout est-ce que Namukola lelo question directe bandeko ba comprendre initiative wana ba comprendre démarche wana est-ce que prochainement bitaka ni kozalaka franchement nan compréhension lo ko ange ko ti mala monté na bandeko na biso ya opposition radicale ou ba bengi résistance to chaki commission des sages. Oui, au moment opportun que j'ai contact na bande ko na biso mususu parce que sont nos frères baza benemi na bisoté ba sozo sa l'opposition politicienne bango bazo ko sa l'opposition résistante to ko ko sanga ensemble ko yeba comment avancer ensemble je ne serai pas ici pour na diaboliser bango na zakana bien en bon terme na bango Ernest azamu na sene be mission bela avec Queen Mada Marcel Mido to solo la ka bien donc ce sont nos amis ce sont nos frères faut tout sanga na bango Tokoye bakuluka des mesures de discrimination entre Bisona Bango comment tokoki ko avancer en long terme que bablo ko ne se répéter tito réconcilier nos points de différence. D'accord. Merci donc Kenenman ou pas un négotati au cas négotati alobi oza président des jeunes et ba force acquise en force politique et sociale acquise au changement. C'est vrai jeunesse et ali avenir ne na lobi tantôt ya mboka Ndengeni nous embrasser responsabilité on a Ndengeni nous aussi qu'on pensait que l'aspiration il y a la responsabilité aux alanango et au pendant dans le lengue singeli Ndengeni nous mobiliser ba jeunes. Merci pour la question.
Bon, ce qui n'a pas de responsabilité, responsabilité, on a moko pe nazali jeune congolais. Oyo nazali komona naebi ndenge to vandi surtout en akati ya diaspora ngai na koli en Angleterre e naebi ba problème o ezali koleka na kati ya niveau ya communauté na biso surtout na makambitali jeunesse et puis na makambo o itali makambo ya mboka na biso tozali komona mingi ndenge ba jeune na biso bazali ko react. Bon, ba stratégie nini oyo ekoki kosala ke epousser ba jeune wana biso nyonso tout to banda kozala ko focus na makambo ya mboka na biso pambate na lobaki meme na réunion tozala ki kuna fitir ya lobe za jeunesse ce qui to préparer yango lelo te lobi to kozala futi na mboka na biso yango vraiment na ba stratégie o nazali ko travailler na bandeko na ba mikolo na ba papa na ba exemple bisika tozali kokota bazali vraiment ko songanga mingi po na ba stratégie o na ko ikosala na team o tozali na yango ndenge ni to ikosala po na kokotisa jeune congolais jeune congolaise mingi penza na makambeta limboka na biso vraiment support ezali makas et naza vraiment d'accord na musala wana. Et puis moko ya basopo ozomona lelo nazali na Mr. Gustave awa et ya meminga pona koya koloba toujours pona makambo ya mboka donc support ezali d'accord makambo ya mboka ndenge nini ozo ko analyser situation ya mboka en tant que jeune na mokolo ya lelo. Bon, en tant que jeune situation eza koleka na mboka na biso ezali kosala biso mi passé ezali kosala biso passé mingi pamba te soki otali ko banda 2006 ti 2011 ni leo to komi 2016 bat o bazali victime mingi na Congo ezali kaka ba jeune soko tali na ba charnia maluku otali na ben okomona mingi batu bazo kufa mingi ezali ba soldate ezali ba policiete ezali ba jeune ba civil mais tango jeune azali kokufa ngai comme jeune ezo salanga pasi de yango moni moma oyo tango msusu tozali koloba makambo o itali mboka na bise ko makako pesa exact kanda mais eza makambo ya kanda te ezali loko moko esengeli ke totele mabiso ba jeune tozali vivant o tozali na opportunité ya kotele ma ya koloba quelque chose yango moni tozui décision ya kotele donc kozonga na question na yo ba actualité makambo ezali koleka na mboka na biso vraiment ezali pasi ezali pe mawa mingi oyo tokoki vraiment kobanda ku kotanga yango te mais yango moni ezali kopesa biso pe motivation pona kotele makobundela bande ko na biso ba jeune pe kobundela pona mboka na biso. D'accord, merci mingi ndeko Gustave avant de que na moboke ya lisolo na biso apoko alelo no lobby ozali président ya représentant G7 et puis président ya président politique ya et à ma force acquise au changement. Il est vrai que G7 jusqu'à présent ils ont pour convaincre la population surtout la diaspora terre en Abissau en UK. Position à G7 d'abord les alinini parce que nombreux nakatiwana basala qui n'anga bona mususu baye est-ce que bande ko bako sala bango confiance bako sala bango confiance pourquoi moi clash wa le sala mona population en Libanda. Il est vrai que la plupart na biso batumingi nanu penja ba comprendre te l'idéal politique ya G7. Du fait que la plupart ba membres à G7 les 7 leaders ba wita ki d'abord au régime bazongi et ba komi de sirkwa bato bazali et pe na problème de crédibilité. Mais tout le monde est libre quand même. Dans ce sens, Baza quand même la raison à penser comme ça. Mais toi, essayez un peu de penser, comme on dit le bac en anglais, outside the box. Pour moi, je sais que Gustave est ma bé. Et c'est moi qui sais que ça est Gustave. Pour le lot, tu peux expliquer le fin fond de Kabila. Il devait avoir des gens qui sont proches. Mais comme je suis en train de dire, je suis directement dans un criminel, de par sa physionomie, de par ses actes. Mais bien sûr, mais on est comme une rumeur. Mais tant qu'on a coupé le mouton, déjà, on a coupé ce sang. J'ai des preuves, on a coupé le sang. Mais ça, il y a un lobby, comme une spéculation.
Dans le sens où on a, bah, tu as juste, ils ont quelque chose à nous apporter. Oyo, bah, découvrir les Kabila, oh, bah, c'est pas là qu'il y a un côté, et c'est là qu'il y a un peu. Mais quand vous êtes belé. Pourquoi il a fallu beaucoup de temps pour vous convaincre qu'il y a un peu de temps? Parce que parmi ceux-là, il y a aussi de ceux qui disaient mon toto et tout, mon anabiso, il est bon, bah, travailler pendant plus de deux mandats, je crois. Certainement, certainement, bah, travailler avec le président Kabila dans ma projet Ming, pendant avec le mandat également, dans deux quinquennats Kabila. Mais il s'est trouvé qu'il y a un problème où il y a entre G7 et le pouvoir. Un grand problème politique, G7 le pouvoir, c'est le problème de l'alternance. Nos leaders de G7, dans quatre pouvoir, ils demandaient l'alternance. Parce que le Senga mandait à Kabila respecter un goût de dé à Kende. Et tant qu'en travaillant avec Kabila, il a commis clair que Bazalombongo, pour Baya Kosenga, troisième mandat à Kabila, et c'est que Baboya qui en gros, soyons sérieux. Et c'est que Baboya qui Babi, non, nous avons besoin de l'alternance. On a pêché exemple que le grand frère, via Olivier. Azali partout, au Basala qui est architecte de Nabiso, architecte et constitution Nabiso. Et en comprenant bien ni le constitution Nabiso, a yébi comment l'article 220 et Marchaka. Mandat à Kanlisouk avec deux. Mais tant que le comique me demande, monsieur le comique au Salaman, sous coulisses, tant que Bazala qui n'a qu'à y'a pouvoir, Balong, les verrous, on a que Kabila, c'est le troisième mandat. Et c'est un gars qui est assez pelé, le loup, à bon côté. Bah, tout monsieur Bazala qui est au pouvoir, bah, comique, moutou manque à s'éterniser au pouvoir au délai à ma camion. Non, les Congo n'appartiennent pas à une seule personne. Il faut donner la chance à tout le monde, à Luka, à apporter un peu sa pierre à l'édifice. Président Ouaya Tungi Balabala, Ouaya Kouya Kouna Pimisi Moussala, Ouaya Kouna Ede Bajen, au bout d'un moment, tout le monde est avancé. Donc les G7 Azan a besoin d'alternance. D'accord. Avant de ne pas un déco, Tati, on se met là par rapport à Olivier, parce qu'on citait du MLC, au PPRD, et puis bon. Apparemment, il semblerait qu'Azan est sentiable. Ce qui a moni que place Ouana a couru sur le côté, a changé Kazak. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le pays a abandonné navire et la majorité présidentielle pour à mon avis que ce soit raison qui n'est pas tout ou pas? Tout d'abord, la MLC. L'avènement de tout côté de NC Tanguy et Koti, MLC a zalaki na déficit, bien ba carence, il y a intellectuel politicien congolais. Avec tout ce qu'ils ont comme membres. Zalaki na déficit, ma question est au pouvoir. D'où? L'apport, il y a M. Olivier Kamitatou, et c'est là qui est crucial pour nous élever MLC à un niveau sérieux d'un parti politique. Et à ce moment-là, à représenter MLC comme président de l'Assemblée nationale. Le problème qui s'est trouvé pour M. Olivier Kamitatou au sein de MLC, et c'est là qui est le problème, il y a idéologie politique. Tant que je m'excuse vraiment, tant que commis que Jean-Pierre Bemba, commis comme ma parti, selon idéologie personnelle, non plus une conviction politique, comme un intellectuel politique consciencieux du besoin à peuple, consciencieux, il y a politique, il y a démocratie dans notre pays, pour nous éviter le problème, il s'en est parti. À longue naïe, c'est tout à fait normal. Bah, ailleurs au pouvoir, il pourrait faire comme tout le monde qui sont au pouvoir à ce moment, à son aépembongo. À son aépembongo, à tchepé na poche, à tchepé na ma même jeu, bah, changer peu constitution. Mais s'il ne l'a pas fait, ils ont démontré l'intégrité de la personne à Makambouana. Mais ce que Zalaki constitution, on a les deux droits condamnés à mort pour la plus grande partie. Et que Zalaki architecte, parmi les architectes, on a été un jeu obscur là-dessus. Non, il n'y a qu'un problème dans la constitution à Bissot. Constitution, M. Zanango, clair. J'ai moqué Zalaki. Le problème de Zalaki, c'est que Zalaki, interprétation isolée à l'article de la constitution. Bateau, Bazan a pouvoir, Balink, on peut s'interprétation moko schizophrène. Il y a un article. C'est que comme il est bouleversé. Mais ce que vous avez un problème, c'est la constitution. N'allez pas trop loin. Monsieur Olivier Kamita, tu es là, l'architecte, a quoi expliquer bien ou bien. N'allez pas trop loin. Avec plaisir. D'accord. Tant que les membres n'ont pas de négociati, négociati aux jeunes. Je me suis dit que ma jeune batte la première victime en Boka. Tout le monde est dépravation de mœurs. Tout le monde est dégradation et éducation en Boka. Les loyaux aujourd'hui en Monani dans les bandes à Awa, où il y a quand même espoir et la vie là, parmi les jeunes, bien que beaucoup de nos jeunes aussi, réaliser la notée, comme on dit en anglais, ils ont la vie comme for granted. Donc, les loyaux, c'est facile pour nous. Mais, dans le monde,
ba jeune bazo ko trimé bazo ko souffrir pona iyo et loko nini ozo mona ki ko salma rapidement na pona ba jeune na mboka wala na RDC na katambo. Ah, merci pour la question. D'abord pour Nabajen, il faut tout l'endana no irachi à réalité à ma kamdingi zali koleka. Au moni les lo jeunes congolais, congolaises surtout na longana oba obaza kuna namboka, réalité ba utiliser abango. Ba utiliser abango pour na ba bien na bango moko. Pour na les lo jeunes à se retrouver, il faut zala d'abord encadrer. Na sur plan au bisounyo sotoyebi nga lelonde na otambola boye na zape encadrer na bayaya oyo bazoi se folo ba boye il faut ça la boye il faut ça la boye nga kutu na zakoto na landa ki video moko jeune moko na mboke pesinga memawa alobi na kosepela kutu bakanganga baya kotianga batianga ta na prison ya na poto pona lia kata ki na vanda ao tala na au niveau ya mutu. Et puis jeune, ça qui va 20 ans 21 alingi ne bakangaye atamindele asa la crime bakangaye mais ba ka kotie na prison ya poto ponalia ça veut dire basic oyo kutu biso wa eloka ko lisa la sous ce côté mais kuna lo sambo ponolia mais est-ce que total la sous na ba plan sous eloka sala nga passe le lo babimisi ba kombo ya bakuluna ba jeune ba bakuluna babimisi ba jeune ba chege babandi ba chege après ba bon babandi ba chege ba komi ba kuluna est-ce que ba ko komi tuna te pourquoi bazo bana wana baza ba chege baza ba kuluna mais ba selon ba analyse mingi na ba étude mingi ba lobi ke zalaki ba mal moko bien entretenu par le pouvoir pour essayer de faire des représailles na la population en cas de besoin si ko yo le mal te papa so ki to lobi pouvoir tozo mona ebele bazakuna pouvoir tokolo babakuluna soko te bakuluna vala bosco bashego balala kana bawenze na banzela po lelo mwana azala malamu na kati ya famille naye il faut d'abord moboti naye azala malamu papo ya botier azala na capacité ya koleisa mwana naye ya kotangisa mwana naye pe ya ko protéger mwana naye na ba bien nyoso tupa bikino lobi mwana oya kokola. Tuzo na mboko, tuzo mwana kubanda 5 ti soki ba 16 ans, afuta katikete, awa na UK. Klasi ofele. Klasi ofele. Enfin, paye par le gouvernement, voilà. Pour futa ba taxe apre. Voilà. Mm. Me biso, tu salaka, me tufuta kabilo konyo soto wana, ou eza normal. Po nani gouvernement awa ezo sala bongo. Po bazo pesa bana wana chance, po bazo prepare bango. Ba ebi ke fitira lobby, eza liba na wana. Mais ce qui est na mboka na biso ta la même yomoko eloko nini bino boza ba panze sango bo tsala ka ba recherche oyo boye bi vraiment ke na Congo eloko ezali ko servir kaka jeunesse congolaise o moniki oyo vraiment ke telemique gouvernement lo binga indenge na sale loko yo to sale loko ko na kolongola ba congolais ba jeune congolais na misère na pasi et justement formation en Kuluna. Mais si ce qui au moins que formation à Kuluna est allé résultat malam voilà non mais pour nabango ils ont résultat parmi les chantiers la pèse à division donc ce qui nga na zaiko lo babo ezali pambaté to sali ba observation mingi po ubandi to lbanda kuna na mboka na biso ezali passé papa tango bana wana bazali ko lela bazali ko nyoko bazali ko boma bango bazo kata bango bazo sala ngai et puis mutakolo ba keno congolais azali mayelete akozala mayelete ndenge nini tango azali na responsabilité mon côté azali na support mon côté azali na aide mon côté ba parents na biso bazaba fonctionnel misale ezalakate eloko mon côté bako sala ndenge ni pona ko supporter bana na bango lobi bana na bako mabato d'accord ya mes amis tuna oyo to pesa na baye ba sala kana ngunga ya ko kanisa ya ko yoka susia mboka na baye alobi ba kunza ka mboka na nawozongela toka inene to pardon pa ndiko na ngaya Kistef na moni ya sepeli mingi na biya no yo kesi na moni information yo kende malamu n'est-ce pas iye kuta za ya lobi ba pesa formation tiza na ngo dans le sang merci alors to zonga na yo oyebisi biso G7 G7 de moni que basanga ni vraiment na kati ya opposition na UDPS et tout.
D'abord, il y a ce qui moyen Ali, l'année alliance ou la G7 na opposition. Ils ont rimé na Nini et puis conclave Salamaki Awa pendant que na dialogue na Mukola Elo. Résultat, il y a G7 na dialogue na UDPS na force union sur acquise. Est-ce que résultat est aucun des positifs n'est mino wana ko escompté. La position G7 dans le cadre il y a des rassemblements. Le président du comité est sage, il y a rassemblement, mais c'est tient de ce qui doit Moulumba. Après consultation avec les membres G7 et MLC, il y a un parti Moussous, il y a opposition au Bazan à 4 rassemblements. À Pesaki Memo. Je vous ai envoyé une copie à Memo. Dans Memo, à Pesaki, le point est le même point où le parti Nyon se base d'accord. Pour ce qui est du dialogue, et ça bien clair que Bao et Bake au côté dialogue. Notre telle Béatrice, ils ne sont pas pour les changements. Pourquoi je dis ça? Parce que un problème d'inclusivité. Les partis politiques vraiment de l'opposition ne sont pas représentés de ça. Donc c'est un problème d'abord qui se pose. Ils ont bien commis. Et combien de dialogues claniques? Il y a aucun lien entre les clans, c'est le Ronabango. Donc, il y a la résolution 2277. Où ils ont d'abord que. Liberté, l'ouverture, espace politique et médiatique. Mais les lois commis, télévision Nyon, surtout avec Kolobasi Moïse Katumbi, les candidats issus présidentiels, ici à G7, Ezayokanga, Nyota, Mapendo et j'en passe. Y compris même match à Pamba télévision, ceux qui le lou Mazimbazo Gobeta, on évite Bachakombo et Katumbi. Ceux qui combe Bimi et Kangami. Tout celui qui évoquera le nom de Katumbi aujourd'hui au Congo a commis un problème. Ce que l'espace on les a toujours fermés. Est-ce que ça n'a pas raison fondamentale ou non? Je viens à revenir à la question à ce président Katumbi, ce que vous posez à nous. Mais ce que ça n'a pas raison fondamentale, ou ils ont ça là que régime, ou ils ont ça là par rapport, mais à, c'est... À, na, par rapport à Kombo. Na. Mais c'est simple. Ils ont tout les Kambarotou n'a pas naté, n'a pas naté, n'a pas naté. Quand on veut noyer son chien, là, qui se dérange. Oui, ça, c'est le pouvoir maintenant pour la diaspora par rapport aux Congolais. Ben, pour le Congolais, en général, beaucoup d'entre nous ont cerné vraiment l'idéal politique ou la conviction politique de M. Katumbi. Beaucoup de gens ont compris. D'accord. Et je tiens à vous garantir, il y a un moment donné, à l'année de la diaspora, le président Katumbi sera lui-même en personne, il va engager la communauté, tout le monde sera invité. Bon, la question est posée directement en chair et en os. D'accord. Parlons de lui, nous remarquons que c'est le G7. Le G7 est un parti politique organisé ou structuré. Nous l'avons vu sans parti politique. Mais d'un coup, tape magique, vous voyez, a commis président du G7. Est-ce ma norme, ou ils allaient qui élaborer dans quatre il y a un groupe de 7, ou bien ils allaient favoritisme par rapport à position naïe et Moïse Katumbi. Normalement, on ne les connaissait pas, politicien, parce qu'il n'a pas de base politique comme tel, à part être gouverneur. Dengenini, majestueusement, vous voyez, comment président G7 et aujourd'hui, ils ont aspiré à la présidence. En fait, G7 est une plateforme politique. Ils ont regroupé ma parti. Mais la statue n'a pas à G7, même les indépendants ont intégré G7. Il y a quand même un parti Tolingo intégré G7, aux Alibes, aux salles formulaires. Ce que vous avez apporté aussi, je l'accepte, et que vous avez eu lettre et accréditation à G7. Même des gens sans parti politique ont à G7. Et ça, selon l'idéal de la constitution en G7. Et Moïse Katumbi, comme indépendant, a intégré G7. Tant qu'il a intégré la carte, il y a G7. Et ça l'a vu par consensus mutuel. Il y a un membre Nyonso, au Bazan à Libanda, au Bazan à Mbomuka, par vote mutuel qui s'est engagé, les lotos érigés, Moïse Katumbi comme candidat à la présidence de la Bissau. Il n'y a rien de favoritisme en cela. Ok, donc revenir à la candidature, mais avant de dire, on a dit. Nandiko yoka nanga tuna iloko moko na be mission ilekaki to yamba ki yo analyste yo zali toujours et puis
membre, si pas un défenseur, il y a M. Kengo Wadono. Au lobby que dialogue et cela m'a dit pour la opposition, maintenant ça va se rendre pour la corriger, plan mon pour la défendre espace politique où ils allient quand même favorable à la population. Mais là, oui, président, j'essaie d'être d'accord, mais le M. Kengo Wadono, Oyo, bisous de celui-là qui a eu le lobby à l'obby Azali, membre, si va participer dans un dialogue en tant que président, il y a une opposition radicale. Il n'y a pas expliquer qui vraiment très clair, moi l'autre fois. Mais tout n'est pas bon. Comment on est habitué, mais vous ne pouvez pas avoir des connaissances, vous avez besoin, tout ça, et ça l'est. Comment peut quelqu'un être à la fois opposant et faire part d'un pouvoir? Comment à la fois en opposition, ils ont aussi un que dialogue et salamé inclusif, à Kenda qui dit Bosso, à Eko se rétracter, parce qu'il y a un Eko Mona qui s'agit d'inclusivité. Est-ce qu'il y a conflit d'intérêts ou bien ils allient, comme on dit, la danse, la balade politique Oyo, pas congolais, mais ça n'a pas. Je m'attendais à cette question, d'ailleurs, Baki Goku, mais en place Wana. Très bien. D'ailleurs, mes craintes se sont confirmées. Mais toutefois, ok. Voilà. Pour Nangaïna, Papa Léon, je l'ai toujours appelé Papa Léon. Oui, c'est un papa, c'est... Et Azali, un menteur politique, Yangaï. À l'âge de 19 ans, Nakoma qui est rapporteur général à IDI sous la présidence de Papa Kengo Léon. Il m'a beaucoup aidé dans ma classe dans la politique pour comprendre certaines histoires. Par exemple, l'action à la fin d'études, il a beaucoup contribué. Et j'ai des relations vraiment personnelles ou partenaires, je dirais, comme un fils à son père. Je ne me permettrai pas en aucun cas, aussi longtemps que je vivrai, que na lobelo komo ke goz à la contre Papa Léon. Ça ne viendrait pas de moi. Même mais voilà. Mais pour maintenant répondre dans le sens, pour répondre maintenant dans le sens mot purement politique. Voilà. Papa Léon Azali, président Sénat. Azali, président y a or. Autobingue opposition républicaine. Donc, comme la situation, il y a dialogue. L'opposition républicaine est liée au côté dialogue dès le départ. Là, la position était bien claire. Mais... quelques jours avant dialogue et banda, le représentant, l'envoyé spécial Obama au Grand Lac, avait demandé personnellement, ça c'est une révélation beaucoup à Yébité, avait demandé personnellement à Papa Léon Kengo de participer à ce dialogue, comme la seule voix royale, il n'y a aucun découna. De ce fait également, il a été confié par d'autres conseillers de la Maison Blanche, que Papa Kengo a pris soin de la réunion. Et il y a eu aussi des menaces de la part du pouvoir menaçant un ministre d'être limogé, ce qui a salité, et puis il est mort aux Alademi, il va fonctionner comme le président. Mais j'en ai entendu cette version également. Mais dans une version, il y a eu vrai. Ça, j'en ai entendu, je l'ai lu également dans la presse. Mais version, il y a eu version vraie. Oui, si vous avez des documents, pour les confirmer. Si on a place où on a Papa Léon accueilli au côté, non pas pour peut-être avancer le régime à Kabila, ou à s'y mettre un troisième mandat à Kabila. Il est le seul. Quand il y a un Sénat, il y a une motion. Il y a que ça, il n'y a pas changé révision à la Constitution. Il y a un Sénat parce qu'il n'a pas voulu et perd à Kabila un troisième mandat. Il est le seul. Janvier 2015, il y a changé la loi électorale. Oui, c'est là qui m'a boudou le Babimi, dans le désordre. Papa Léon Kengo a pris ses décisions en main. En tant que président du Sénat, à Boya Kuenge Leka, et le pouvoir en place est Souki. Non, mais il y avait une motion. Voilà. Bien sûr. Mais aujourd'hui, Kazan a dialogue, les seuls étant autant, vous allez comprendre pourquoi il est là. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire à la télévision. Bosez-le plus tard lundi. Vous aurez d'autres informations plus sûres. Monsieur Léon Kengo Wadono, sera-t-il toujours au dialogue? Il a déjà suspendu sa présentation, sa participation. Sera-t-il au dialogue au-delà de mardi? Laissons voir. Et si les Américains et consorts lui demandaient toujours d'y rester? Le problème est que maintenant, pour un dialogue, il est devenu clair. Il est clair que
l'Union européenne a compris que le dialogue est un problème d'inclusivité. La décision de l'Union, c'est que le dialogue clanique de Kabila n'a pas tout à l'heure. Et vous avez crédibilité parce que le rassemblement des forces politiques et sociales qui ont changement, c'est que d'autres partis civils ont pour l'alternance, c'est parce que comme le dialogue est de sourd, comme il faut tourner à rond-point, rien ne va marcher. C'est ainsi que mon comme il y a deux jours, il y a suspension, il y a négocié avec Tshisekedi, il y a négocié avec parce qu'il se sont rendu compte que tout le monde a mis ce lot qui a mal longa. C'est bien clair. D'accord. Nego Dati Yoka, toujours en tant que président des jeunes, au moins que la diaspora surtout, les jeunes, ils sont intéressés à un mouvement, si pas politique, ou bien résistance, c'est en Boka. Bien que ba oya mboka bazali siko yo ko réagir malembe malembe étant donné que ba komi essoufflé na crise oyo na mboka na ba pas ba komi ko endurer siko yo yo na responsabilité na charge aujourd'hui officiellement na meeting le rassemblement va UK. Bon, je m'excuse parce que l'autre fois dans le bail conclave il y a eu des pays na UK. Le coin de Albert Moukendi a réagi ça qui m'a disons clairement bien qu'on clave, il y a ma force et un rassemblement au hasard pour un changement. Dernier nous a qu'on prévoit pour mobiliser les jeunes pour nous intéresser, pour nous intéresser, parce que tout le monde en a la réunion, nous allons la rater, et ça va nous battre, et ça va nous battre, et même nous avons mené 20 nouveaux en a dans mon cas pour nous. Merci pour la question. Nazali d'abord na lubaki lokwana na réunion tozalaki. Tango babenga ba réunion ya ba parti politique ozali awana UK. Mingi to mona ba jente. Mais ezali te ke ba jene balinga ko kotana ba organisation anate. Gana kanisi zalaka na lobaki yango ezali stratégie et puis idéologie oyo ba parti wana et joua kapona ko convaincre jeune ayana katia a joindre parti ou bien jeune azal intéressant pona makambo ya mboka surtout ana mboka tozali jeune oyo azali awa na jeune oyo azali na Congo bazali des mentalités différentes jeune oyo azali awa nanda kunaya koi kovanda azali na laptop naye azali na sky azali na eloko nyonso tu ko pesa azali happy na chambre naye donc pona ya kuna na ba réunion na biso oloya ya biso ya mboka o ya botami ya omona ngoza dérangement ako préférer que asepela Alex Satan naye nanda kuna chambre naye moboti oyo zali awa na kenda na banda ko mususu ozoyo ka papa zo yebisa bana na yeke angaba na ngaba ba British. Oui, c'est que vrai. Oui, ba olobi ango bazana nationalité. Parce que mwana wana kenda kende lobe a kende ko lobaki azali British pa ya English. Boso ilobi ba botoli bino British wana. Parents zo yebisa bana na kenda ezate muta yebisanga na vandi na ndako azo ibisa bana ndenge zawe makamku ya konge ekita bana nanga na boti bango awa baza ba British bakukufa awa bakukunda bango awa yebisanga mwana wana mukoloni na kozala tana posa yo kalikambo ya Congo. D'accord. Siko yo na Congo ezana problème pe ya modèle non lobby de lo ba jeune mingi ba remplacer bango na ba territoire oyo oyo komi occupé disons oyo ba lobby baza ba congolais ba pesa bango ka document yo en tant que jeune ce du lobby aux yeux responsabilité wana. Non bon, ce qui gêne au moins n'importe quel sont les alli pour la nuit aux constitution, les konzi où ils alli et puis sa discipline na katia mboka nde ya wana tous alli kolanda. Ce qui leo batie les konzi ke balobi, ce qui papa na yo aboti yo awa. Et puis ou bien maman na yo azali songolo papa no azali congolais et que obotami awa ozali 100% congolais li konze lo bindingi wana biso tozali na droit ko longola ngote mais soki
elobi ndenge wana te tukolanda oyo constitution ya mboka ezali koloba ezali ngai tati mutu na koloba te ponga pe na kolanda oyo makambo ya constitution loi ezali kosenga mais comme il loi yango ezala appliquer te yango peut-être tokomaka na confusion na ba question mususu to tunaka mais otunaki ngai question ya ba jeune oyo bazali awa tozali na ba parti ebele ya ba representant oyo bakoki kosunga biso na likambo wana pona ko mema ba jeune soki ozali na kati ya parti nayo otali ke ba jeune bazali te il faut mituna question pona nini te est-ce que ngai fona longwa tati na na parti nayo na banda koyi soki no nde ko pona ni ba jeune bazana parti nayo te dans la idéologie parti nayo sigoro est-ce qu'il y a espoir na ba responsabilité na banda ko mema bango na dans ma réunion et puis la cause aux jeunes, quand on dit les jeunes Zala, les toutes différentes souches à communauté. Espoir Ezali Makas. Espoir Ezali Makas parce que tu as ko sala yango et banda to banda qui avait koutouna comme même président, il y a ba jeunes, tu as na ba organisation où tu as tu as ko mobiliser ba jeunes ebele. Ezaka ka wanga mo côté, tu as pena ba jeunes mususu ebele oyo vraiment ba lingaka makambe kende na série. Nga na vana na mboko yo na leka na ba social media na biso te. Me na sala pe makambo ebele ya se ya kobundela ki jeunesse na biso awa. Me baza pe ebele o babandai kozela kame mem suka ke discipline moke kota, respect moke kota, e boko mwona bango, moko msupo ko kamwate na studio awa, kumwona tutonda melio awa, tubandi pe koloba makambo mboka. Eske ba wogo aspire confiance na? Okoki ko jije mwona. Ba ide, na wiba jeune wana yo nivyo sanisa. Ok. Mm-hmm. Question no tu nwa neza pona nini o se référer na génération na bino. Voilà, yako pena lo vite. Question tu nwa neza li parce que o se référer na génération na bino. Confiance au bol to lose au bayaya na biso awa na yuke. Ba mi pesa ka lisusu te. Yango ane lingaki moi va reswana pe contaminer biso na jeunesse na biso. Mais to koluka to boma yango. D'accord, donc on va casser Balien. Dialogue et salami, mais il bannit déjà à boiter et tout. Tout ça, il y a un mot de la vie de Alain. Il y a un mot. Est-ce que Kamere, M. Vital Kamere, Azali, Caméléon, la politique congolaise, on est à Liboso. Pourquoi cela? Azali, ce qui est Azali à Solo, ce qui est Azali par caractère n'est ambigu, par ma volte-face naïe, dans ma changement naïe, par ma aspiration naïe inattendue à la dernière minute. Et puis, il y a mis balé, à ce qui est au Kende, à tous les personnes qui tout ce qui est au Kende, pour diriger le dialogue où ils ont mis au Kende Congo depuis le 1er août, le 1er août 2016. Le 1er septembre, merci. Le 1er septembre 2016. Nous avons participé à poser une question à tout invité. En fait, là, c'est pas le même la question à papa, là. Et il y a ça, nous avons respecté vraiment à Baïdé Naïe. Vraiment, nous inspire également confiance et respect. Mm. Bon, pour notre propos, il y a ma camarade Zoli Kakuna un dialogue avec Yavika. Moi, je suis bien avec Yavika. Mais finalement, il y a une relation familiale, tout ça. Non, j'ai des relations purement et à travail avec M. Vital Kamere. On a travaillé en 2000. Il y a Vital, on a travaillé en 2009 jusqu'en 2011. Oui, il y a un bien avec Yavika. Il y a Zali Moutakati na Minicho Tozoloba. Donc, si on a 160 années, en fait, je respecte beaucoup la conviction politique de Vital Kamere. Mon plus grand problème est Zali que je ne me retrouve pas dans la lecture de Zali pour le dialogue. En allant au dialogue, au bisou de l'inga qui est inclusif, mais inclusivité, et comme il pesa biloko moko. Et voilà. Et tribal. To comme si koyo to ke na résolution 2277 to sing ba poli ba prisonnier politique babima. Dieu mindonga la zana na kati, Claude Jean-Claude Mbuyamba zana kati,
na liste batutu gouvernement bimisa ko bimisi po dialogue ezala seulement 3 de babimi nyontu ba chaki na liste batu babima kala bazayi na problème mususu mutu ba kangali kambati na te ake pa juste bazongi sien ndako gouvernement ziba kombo a reprendre ngo pour faire religion ka bimisi batu na liste wana nyonso ya seulement batu misatu babima mukalai boma et Christopher Ngoy. Mais tout le reste on baza batu babima kal bazaku na prisonté. C'est autre bien ngo toujours volonté vraiment à dialogue mais non. C'est que ce qui y avait ka na politique na yé andimi a encourager le Kadongo, je ne sais pas. Mais il y a des intercelles, il y a de cela des jours que sa position commence à changer. À négocier d'abord avec les G7 au Toboy déjà idée que G7 à rejoindre dialogue clanique wana. Papa Tshisekedi refusé de le recevoir aujourd'hui. On voit déjà que dialogue ngombo kendina osuka. Il est-il en train de jouer avec sa vie politique? Ça c'est la plus grande question et yemo kaka répondre ngo. Mais en enfonçant avec ce dialogue, azoko courir un grand risque de signer les certificats de décès de sa vie politique. Bien, parlons justement de ma camarade dialogue qui pourrait déboucher na compromis ou pas, il s'avère que le Konabiso Oyo Baki Kemitoune Yalike, Moïse Katumbi, ou Azali plébiscité comme candidat à la présidence de la G7, a commis à Kalmi, pardon, et Salami. À venir, il y a la politique, il y a Moïse Katumbi, si jamais. Parce que Azali toujours, comment dirais-je, personne n'a craint à un moment où il y a Congo. Est-ce que à Koyeba, qu'on passe un message d'ailleurs au convaincre le peuple, et puis Nathalie Sousnamoni qu'il y aurait une rencontre, une rencontre entre Moïse Katumbi et M. Papa Etienne Tshisekedi. Le 19 septembre, la Lubumbashi. Alors, qui t'a pour un dernier encore, pour un dernier moment que tout est blindé pour contre lui en ce moment. Ok, merci beaucoup. D'abord, la première volée, il y a question là. Ils en a douté que quand Monsieur Moïse Katumbi est un leader incontesté au prochain moment. Tout simplement parce que il est la seule qui est ciblée. Ou à cause de sa poche. Non, c'est pas sa poche, voyons quand même. Non. Parce que okay. Écoutez, là, ça l'est un peu clair. Hein. Les Moïse Katumbi dont je connais, les Moïse Katumbi dont je travaille avec, les Moïse Katumbi que j'ai rencontré la semaine passée pour une session de travail de quelques jours, n'est loin de l'image où je suis. Et j'en pense que beaucoup de Moïse Katumbi. Je vais être clair. Non. Il a une idéologie politique vraiment différente. Oyo, la plupart y a battu na biso non tout. Zui opportunité a koyo kaiti a kolobana ete. Mais il y a un moment opportun de stratégie Zali où le président Moïse Katumbi doit engager la communauté, doit engager le peuple dans les débats, dans les face à face. À ce moment-là, des gens vont un peu découvrir qui est réellement Moïse Katumbi. C'est sa vision politique du Congo d'Itama qui nous intéresse tous. Bisom tozi opportunité au Yebango, c'est pourquoi tu continues à chemin wana. Mais quand vous aurez vous aussi l'opportunité, beaucoup d'entre vous vont nous rejoindre. Ok. Est-ce que nous avons dit qu'au Sénégal, il y a besoin de parler un peu justement sur sa candidature, sur Babylon, pour les sillonner autour, de façon que nous avons pu comprendre malheureusement. Ce qu'on avait le temps, Benavane, il y a à 3h du matin. Semaine prochaine, je suis d'accord. Bien à n'importe quel moment, je serai là. D'accord, merci beaucoup. Mon Gwanou Okende, dans un moment, n'est pas un jeune Abisso, bien que Zali est déjà responsable, jeune par rapport à Abisso, mais Zali peut, il n'est par rapport à Abisso. En quelques phrases, ou bien en quelques deux minutes, sur les Zali, la politique, Moko, au niveau de ça, bien que, comme il y a un conclave, il y a une communauté qui a approuvé, pas encore, parce qu'il y a aussi la communauté. On a un conclave, alors, déjà, contestation, les alliés, comment pouvons-nous agréer, comment poste, nomination, ou bien vote, ou bien choix, la communauté n'a pas encore, peut-être, comment dirais-je, majeur, on a monté.
Mais ceux qui sont déjà dans le monde, dans la communauté ou bien dans la communauté, je pense que c'est déjà une idée aujourd'hui. Bon, Koloba, pour la communauté Nabiso est approuvée, au moins ils allaient faciliter pour la mutaya andimayo sans qu'il y ait ba fruit ba evrio au sali. Bon, biso toi ba gêne au tokolia to na lingakate ki na luba mingi a respect na sala musala. So ki na sali musala ba tu ba ko jijenga na musala nga na sali ko sala. D'abord nyo to sali ko sala o ezali ka pona communauté Nabiso. Pardon, en passant, nous parlons de la communauté. La communauté a si sur le département, la commission des jeunes, ils ont la candidature, tout ça, est-ce que au solo nous avons déjà pour entendre un dernier numéro pour combler vide Kuna ou pas? Bon, l'organisation est surtout les alliés des jeunes. Il y a communauté, voilà. Ils ont des devoirs, ils ont des devoirs. Bon, on a quasi tous les alliés qui ne s'allient pas même. Moi côté ko kité donc ils a ba démarche belle tous ali ko sala ils a na kati ya agenda nanga to ko kende to ko kuta na bandeko pour na to travailler biso yon soto ensemble tous ali ba jeune congolais tous obunda pona mboka na biso tous a mutu moko division ezate côté wana vraiment na zo garantie un jour ko mona biso yon soto lisanga et to ko sala musala nzela moko. Merci. Alors un dernier mot je vous donne. Bon, na zali vraiment ko passer message moko pona bande ko nyonso tout na kanisi nyonso tozali koleka awa kolobezali pona crise o ezali koleka pona mboka na biso ko banda ba jeune o bazali na Congo pas bazali komona biso pe ba jeune o tozali awa même tete tozali awa ezana makambo ebele oyo ezali vraiment tozali photo to travail we have to work hard message nazali ko pesa ezali ka ke jeune oyo vandi na ndako jeune congolais, jeune congolaise. Et si kozali, tozali na posta to sanga na biso yon sotou ensemble. Tokuta na pona to sala musala ya mboka na biso. Ba oyo bazali na ba organisation songolo, tango mususu na koyeba yon sotou te, bo moni tozali na kati ya Congo Synthèse, bo koyi kolukata ba email a parti na bango pona kopesa biso message pona tokuta na to sanga na biso yon sotou. Oyo tozali ko sala balobi Union fait la force. So ki to kaboli ke ba oyo ya nord baza la nord ba oyo ya sud baza la boye to ko sala musala malamu te yango vraiment na mukuse na lingi ko senga ke biso nyonso tu to sanga na ba jeune congolais to kota mingi na makambo ya mboka na biso tozali ko mona le 20 ezali ko ya le 20 décembre boye bi evenema oyo koleka kuna na Congo eske to tikela kaka bande ko na biso ba jeune o bazali kuna biso ba jeune oyo ba diaspora tozali libanda projet nini tozali na yango pona ko soutenir bande ko na biso bazali kuna question wana ezali ya biso nyonso to kasi soko yebiki bande ko bazali kuna bazali bande ko nayo ndeko telme sikozali yaka to sanga na biso nyonso to pona tozwa decision to yeba o ya biso par contribution na biso comme ba jeune congolais congolaise o bavandi na UK mission ni to ko ikosala pona ko soutenir mboka na biso ba papa na biso bazali kobunda et tokoi kotike la bangote biso pe tozali na oya biso responsabilité comme jeune congolais jeune congolaise oyo zali na makila ya mboka wana tozali pe na devoir monene oyo koki oyo sengeli to sala pona développement ya mboka na biso pona avancement ya mboka na biso. Merci Maton Domingi en tout cas iki na matoi ya basourte na banda batwa yoki. Alors bango na dekonanga Gustave parce que mon comme beaucoup c'est la profession peut-être 40 secondes. En tant qu'analyste chico, on devine nos jours comment on a à venir et à beaucoup à partir de Macabo, on peut attaquer les alliés entre peuples et le pouvoir. Moi, de faire comme on se crée, est-ce que à venir les alliés devine ceux qui bougé bougé, ceux qui peuvent bougé. Dialogue déjà et comment qu'on cristallise et comment qu'on paie sa résistance encore au pouvoir. Donc, bah, c'est le dialogue clanique et petit penja forcé entre l'opposition et au moment où on est tamisé, le dialogue est tamisé, ben vrai opposant avec le faux. Au tout, le dialogue clanique ne font pas partie de l'opposition. Au bâtiment, on a dit que c'est un dialogue, tu as Kabila tout, n'a restructuré. Là où l'opposition n'était pas de l'opposition, les masques sont tombés avec les restes bisous
ou tous avec dans les rassemblements. Ce qui possibilité wana et salamité, qu'il pleuve ou qu'il neige, je le répète encore, nous vivons les débuts de la fin de M. Kabila. Nous avons ce soir, nous répété encore, nous vivons. Avec tout le système. Mais quand Kabila part, il part avec ses charges. Le moment est vraiment crucial où il y a qui bloque en bois à Zambango. Si koyo soki ezali na eloko oyo bisabana na bisho ya mboka pour le banini pour ne zalaki mo mutu na shoka la zaino. Peuple congolais. Tu combien na moment oyo ezali ko décider à venir? Pardon, ezali na Zalina mawa mingi ya ko loba kito kumi na suka mweto ya mba zalite togo ya mba tana mba la simobia kuma komantea na Facebook to zali wanda otana. Merci. To kumi na moma mongo krisyal entre projet, entre le devant ou l'en avant, entre le chaos ou le progrès. Et so ki le lo ito za toujours ko se fiyeje na ide ke bitumbe zali ako longwate ndenge zali na 2006, ndenge zali na 2011, tous ceux qui avancent. Le temps est vraiment venu. Ce que nous avons opposition résistance, ce que nous avons combattant, nous avons opposition politicienne, ce que nous avons opposition apathique, nous avons besoin de côté, nous avons besoin de bandes, nous avons besoin de réunion, nous avons besoin de tous ensemble, nous comment avancer ensemble. Nous avons besoin de l'union, ça veut dire répondre favorablement, na marche aux autres salles à Londres. Le 20 septembre, il y a un mémo qui est au Premier ministre et puis il y a un sitting devant l'ambassade Nabiso pour nous forcer le processus. Il y a un dialogue vraiment véritable dans le Boko Nabiso. Merci de m'avoir invité à Nabiso. Je suis à Nabiso Tati, Yoka, Antela et à Nabiso Gustave Moke, Gustave Guillaume Moke, où il y a un SMO qui correspond à l'invitation de Nabiso. Donc, on a naïe sûrement la semaine prochaine. Tu vois, mon Sango, tu vois, mon Savino, pour nous recevoir ma campagne de Bélé à Mozindo. Pour nous gagner vraiment la CPLM, la Bayonne sur Balandi Visso, Balandi Émission à Ligoso, Balandi Émission à Sikoyo. Nous avons vraiment la bande de Koa Bengi, de Koa Bisso, Tive Smelly, Alogi, Bilan et G7 et Zanini. On a la base de Tauzon la semaine prochaine. Tout le monde a vu ce forum à lobby. En plus, vous tous savez tout ce qu'il a fait. Bon. Voilà, je vais avec le président Moïse Katumbi. D'accord. Voilà, on nous avons un commentaire. On nous a dit que nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Alors, rapidement, encore merci Mingi. Nous avons un salisaki de Konamis, Rigobert Moulamba, Naliwa et Apo Vénaman. Nous avons un peu de temps. Ningi na baigno so basunga ki physiquement, moralement, financièrement. Nanyo se zagi surtout maman et di moto. Ou ya zagi wana na organisé ba maman et tout et tout. Ton lobby ni sou ke maman na miso Josiane Ilé, kuna na Fesbuyai, Azali na matanga, ba on na papa André, donc maman et Josiane a koufi ni papa, ba ou kuna lobby. Matanga et Zali jusque lobby na poko ou kita dimanche. Alors tout ton de bino motondi, biso awa na kongo sente, senato le kanay le kongo voice, na ba debonyo sa libanda, tout ton de bino motondi. Invité nana vraiment merci na oyo bazala ki monsieur Alain Kanga Bokanga Salé na monsieur Max Ekoli et puis na baito juste koyo monsieur Gustave Gila donc na monsieur Tatioka na matondo mingi na yo abino micro JGK to kutani sûrement lundi na pourquoi peut-être na qualité pour na osala développement et a ba titre mosusu oyo ekozala peut-être na weekend na surtout que mani ko chauffer de to kutani bala sima vraiment. Très bon week-end à tout le monde. À vous tous et toutes qui nous avez suivis. Tous ceux qui nous avons mis à la santé et puis la prospérité. Très bon week-end et à nous revoir. Bye bye.